ça, c'est son gastromédial. Mon point trigger est ici. Je dois le prendre en pince, mais je dois me décaler un petit peu. Parce qu'en fait, mon aiguille, elle va traverser le point. Ça, c'est mon aiguille. Donc, ma prise de main, elle doit être juste à côté. Vous allez déclipser l'aiguille et l'introduire. Maintenant, vous prenez l'aiguille par le manchon et vous la mettez dans le sens où vous voulez qu'elle aille. Vous la mettez dans l'axe. Donc, ma pointe, elle regarde ici à côté de mon index. Et maintenant, je vais insérer mon aiguille tout doucement. Palpation à l'aiguille. Donc, je la pousse jusqu'à ce qu'elle traverse, là on y est, le point trigger myofascial. On sent, c'est mou, c'est souple, je sens une résistance et je pousse pour rentrer à l'intérieur. Là j'y suis. Et maintenant je vais donc prendre un peu de recul et je vais démarrer in, out, in, out, in, out. Là, vous avez vu la petite réaction ici? Là, ça c'est un twitch. En fait c'est la bande, ici, qui a cette petite réaction de contraction. Voilà, j'en ai eu 4-5, je sors,